Jonathan Mathias et Sara Lopez séparés depuis plus de 2 mois, la candidate lance des pics avec Ilan via des lives d'Insta. Le jeune homme réagit enfin. Cela fait 2 mois que Jonathan a décidé de rompre avec Sara Lopez. Les deux candidats ne se parlent plus et ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Sara a décidé de reprendre contact avec Ilan, comme il ne s'entend pas avec Jonathan. Alors, provocation ou simple coïncidence, difficile d'y répondre. Mais depuis le confinement, Sara Lopez fait souvent des lives Insta avec Ilan et n'hésite pas à tacler et lancer des pics à son ex. Ce dernier, très silencieux, n'a jamais pris la parole à ce sujet. Mais hier soir, furieux et remonté, a décidé de réagir et a fait une demande assez spéciale à ses fans. Je vous laisse avec sa réaction. Maintenant 2 mois que je suis séparé, hein, ça fait 2 mois que je suis célibataire, tout le monde est au courant, on est d'accord. 2 mois que j'ai rien dit, 2 mois que je me suis prononcé sur rien, que j'ai manqué de respect à personne. Et même si vous m'envoyez tous les jours des messages visés, des choses qui sont dites dans des lives, etc., je réagis pas. On est d'accord, parce que j'essaye de prendre de la hauteur face à cette gaminerie, face à cette immaturité, face à ces attitudes de merde, parce qu'on peut pas appeler ça autrement. Mais là, je commence vraiment à en avoir marre, parce que même si je réagis pas, ça me prend là, ça me prend à l'estomac. Donc maintenant, je vous le dis officiellement, comme ça tout le monde est au courant. Je sais que vous le faites gentiment et avec bienveillance quand vous m'envoyez des vidéos, des captures de live, de story, etc. Je vous en veux pas parce que je sais que vous pensez pas à mal. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez plus rien, ne me rapportez plus rien de ce qui se dit de mon ex-relation. Ça y est. Parce que ça commence à être dur. Je vous dis la vérité. Tout le monde me dit oui, bravo pour ton sang-froid, bravo pour ton calme. T'es différent, tu cherches pas le bad buzz, tu cherches pas tout ça. Je vous remercie pour tout ça, pour les personnes qui sont conscientes de ça, je vous remercie. Mais je suis un putain d'humain et moi aussi, je ressens les choses. Je suis pas un putain de robot, donc ça commence vraiment, mais vraiment à me travailler. Et j'ai pas voulu rentrer en guerre, j'ai pas voulu ressembler à tout ça, à toute cette merde-là. Moi, quand j'ai des choses à dire, je le dis en face et c'est tout. Donc, je veux pas rentrer dans ça et pour m'éviter de rentrer dans ça, je vous en prie, ne me rapportez pas tout ce qui se dit parce que sinon ça m'aide pas. En fait, ça m'énerve encore plus. Ça m'agace de voir ces attitudes qui me donnent qu'une envie, c'est de réagir. Mais je prends sur moi parce que je veux, par respect pour ce que j'ai vécu, le faire face à face. Vous voyez la différence? Donc, débat, il n'y en a pas. Sujet clos. Merci à tous pour votre gentillesse. Et je sais que vous pensez à bien. Mais ne m'envoyez plus rien. Et à partir de ce soir, c'est bon. J'avais mes raisons. Je voulais essayer de garder les choses positives. Et ne pas me fier aux choses négatives qu'il y a depuis ma rupture. C'est la raison pour laquelle j'essayais de ne pas avoir le même genre d'attitude que celle qu'affichent des gens qui parlent à longueur de temps de moi. Mais c'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai compris. Et c'est bon. Je veux plus ni voir ni entendre, plus de son, plus d'image, ok? Plus de son, plus d'image, c'est fini. Comme ça, j'avance, voilà. Et là, c'est pas des mots, c'est des faits. Donc, ne m'envoyez plus rien, s'il vous plaît. Même quand ça vous choque, eh bien, allez leur dire, mais à moi, ne me dites plus. Quand ça vous plaît pas, quand vous trouvez pas ça normal, allez leur dire, mais moi, c'est bon. Que pensez-vous des pics de Sara Lopez dans ses lives? Et de la réaction de Jonathan, vous pouvez partager vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.